Allez, salut, salut les gars, voilà, ça tout le monde, c'est mon hospital et là, vous êtes sur la chaîne de M. Le Russo 225. Voilà, donc, je fais cette petite vidéo là pour répondre au moins à deux questions, voilà. Et ça, c'est en ce qui concerne ceux qui viennent en Russie, c'est toujours sur la bourse de la Russie, voilà, donc, j'espère que ce message-là va vraiment vous arranger et vous permettre aussi, comme ça, de pouvoir mieux gérer. Comment est-ce que vous allez venir? Parce que j'ai déjà fait une vidéo et je vous avais dit que pour l'instant vous ne pouvez pas changer votre argent ici en Russie. Voilà, et j'ai reçu des retours, ceux qui m'ont écrit en inbox et ceux aussi qui m'ont écrit via YouTube. Donc j'ai sélectionné cette question là pour vous, pour essayer comme ça de vous répondre. Donc il y a l'étudiant qui m'a posé la question, à savoir pour ceux par exemple comme ça qui sont des nouveaux, c'est-à-dire ceux qui viennent nouvellement. Comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir utiliser l'argent qui se trouve en rouble directement à l'aéroport alors qu'ils n'ont pas encore de compte bancaire ici? Voilà, donc je vous avais déjà dit auparavant, pour cette question-là, si par exemple vous avez quelqu'un qui est déjà ici, vous voyez, quelqu'un qui est déjà ici en Russie, vous pouvez déjà envoyer l'argent à cette personne ici en Russie, ou bien la personne qui doit venir vous accueillir là-bas à l'aéroport, vous pouvez envoyer votre somme ou bien vos frais à cette personne-là. Et directement arrivé à l'aéroport, la personne vous accueille et la personne vous rend cet argent-là pour que vous puissiez l'utiliser. Vous voyez, donc j'avais déjà dit ça. Et pour ceux, par exemple, comme ça, qui vont, parce que lorsque vous arrivez ici, lorsque vous utilisez l'application FlashSend, n'oubliez pas, je mets l'application, je mets le lien en commentaire pour que ceux qui sont vraiment intéressés puissent l'utiliser. Je mets ça en commentaire, c'est l'application FlashSend, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous ne savez pas comment est-ce que vous allez l'utiliser, regardez un peu dans mes vidéos, vous allez voir, j'ai déjà montré comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser et tout ça. Voilà, donc maintenant ceux qui sont au pays et qui vont arriver ici, voilà, vous arrivez ici, déjà depuis le pays, vous mettez sur votre compte depuis le pays et arrivez ici, lorsque vous allez créer votre compte à la banque, vous allez créer aussi un autre compte et vous allez transférer votre argent que vous avez reçu depuis le pays en franc CFA. Vous allez transférer cela en rouble directement ici. Vous voyez, voilà. Ou bien quelqu'un au pays, ça dépend, il y a plusieurs alternatives. Voilà. Ou bien votre famille au pays, vous attendez à ce que, arrivé ici, votre famille eux-mêmes, voilà, vous envoie l'argent directement en rouble ici. Voilà, donc je mets le lien en commentaire et essayez de. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres alternatives, voilà, j'oubliais. Si vous n'avez pas d'autres alternatives, vous pouvez me contacter inbox. On va essayer de s'arranger et puis voilà, vous allez pouvoir transférer votre argent simplement et sans problème. Voilà, je suis disponible, ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis disponible à 100%. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez mon inbox et on va essayer d'en discuter. Voilà, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital. Surtout, prenez soin de vous et puis surtout, bon arrivée à vous.